Hi la team, on part en vacances. Donc c'est parti pour du coup 5 jours au Maroc. Donc on vous emmène avec nous, du coup avec toutes mes sœurs, ma maman et mes neveux. Une petite pensée à papa, Chadon. Ouais, Simon, pensée à papa, Uba, maman, Simon, Uba et surtout Caïs parce que bah, eux encore ils n'étaient pas prévus mais Caïs y devait venir et malheureusement. Oula. Ouais, pour ceux qui ont suivi sur les réseaux sociaux, en gros son parcours il s'est périmé et on n'a rien pu faire. Jusqu'à la dernière minute on a essayé. Ouais. En fait on s'est rendu compte aujourd'hui quand on a voulu s'enregistrer, sauf qu'on partait même pas 24 heures après. Donc on a tout fait mais c'est mort. Donc Caïs, je t'aime. On t'aime tous. Vraiment. Et de toute façon, t'inquiète pas, on refera ça très vite, Inch'Allah. Ok. Mouah. Je t'aime mon bébé. Let's go to Maroc. J'ai dit Maroc. Morocco. Petit arrêt pour retirer l'argent. Du coup, moi j'ai. Qu'est-ce qu'il y a? Moi j'ai oublié. Je suis trop bête. Du coup, ma maman elle va retirer pour moi. Franchement, c'est un truc de fou. J'avais tout préparé dans une enveloppe et tout. Parce que du coup, elles m'ont toutes fait un virement pour que je paye le chauffeur, la nourriture, bref, tout ce qu'il y a à payer là-bas. Et en fait, je l'ai oublié. Donc là, elle a accepté, doucement, elle a accepté que je fasse un virement, mais pour du coup les petites dépenses, ma maman elle va me retirer. Alors maman, t'es pressée? Hein maman? Ouais, ouais. T'es pressée? Yes. Je vais me reposer, je ne veux pas cuisiner. Ah grave. T'imagines la cuisine pas bien? Comme d'habitude, les deux petites dindes. C'est Halil ici. Vraiment, elle est chiante tout le temps, elle me dit ça. C'est fou. Hein. Mais c'est vrai, regarde, vous êtes tout le temps dans ce genre de... Elle, c'est une mytho. Elle a dit à Marie de prendre, comme ça, elle va manger. Ouais, elle me dit là, je vais goûter. Et moi aussi, elle m'a dit ça. Goûter. Parce que j'ai dit que j'ai des mais du coup, je comprends pas. Maman, tu prends rien? C'est un choix. Peut-être que quand tu passeras devant les petites pâtisseries, là, je sens que ton cœur va battre. Bon, ça y est, là, on a tout fait, l'enregistrement, tout ça. On a tout fait, l'enregistrement. Oui, quand tu t'enregistres, ça, ils peuvent... Ah, nous, on n'a pas de bagages en dessous, j'avoue. Bon, là, du coup, faut qu'on speed parce que l'enregistrement, il finit dans 10 minutes. Nous, on prenait tout notre temps. Mais, ouais, allez, go. Ça y est, on est dans l'avion. Nail, il est en train de lire son petit livre. Non mais n'est-il pas grandiose? Et moi je l'observe. Voilà, il y a Tata Marly. Tu me lis? Là il y a les filles et ensuite on est un petit peu éparpillés partout. Si j'avais le choix, j'aurais donné mon passeport à toi. Tu serais pas nous? Ouais. Tu promets? Ouais. Dis-lui que tu l'aimes, Akaï. Je t'aime. Oh, lui aussi, il t'aime, chérie. Bon, ça y est, du coup, nous le vol, il va pas tarder à décoller et ensuite moi. Go, dodo! À tous! Allez, on a une bonne nuit, hein. Moi je vais dormir. Bisous, maman. Bonne nuit! Et moi aussi, bisous. Va dormir. Non, il est moi. Et moi, c'est moi. C'est bon là, allez. Et t'arrêtes de faire des bisous à toute la terre, hein? Ah, mais non. Il laisse tranquille. Il aime trop cette tante. Il a dit que quand ma mère oui, c'est pour ça que je il a dit que quand je réveille, il va prendre soin. Parce que t'as lavé le cerveau. Sinon, mais t'as lavé le cerveau de t'aimer. Au début, Naïl, au début, tu me préférais, n'oublie pas. Non, je suis sa préférée. Non, au début, non, mais tout le monde, quand il est net, c'est moi qui sais, c'est exactement ta mère. Mais moi aussi, j'ai été sa mère. Comme plus ta mère. J'étais sa mère, hein. Non, je l'ai allée. Ça me demande de pleurer. Ah, personne veut. Ah, je te promets. Ça me touche en plein cœur. Bah, bien sûr, il y a même moi aussi, je t'aime plus que la petite. T'as un bébé. Tu vas faire dodo sur maman? Non? Ici, comme ça, tu t'allonges. C'est pas trop agréable. Moi, j'ai dormi très souvent. On est à Marrakech. Marrakech. On a parlé fort.
bien arrivé. Du coup, on a fait une petite pause pipi. Et là, ben, ça va être le contrôle des passeports. Let's go! Hey, hey! Du coup, là, ça y est, on a passé la douane. Du coup, là, on est en train d'échanger l'argent. Donc, en fait, si jamais vous venez à Marrakech et que vous êtes plusieurs, en fait, c'est mieux de... Ah, mais là, on est à Marrakech. Après, on va essayer. Hein. C'est mieux de réunir tout l'argent. En fait, ça vous fait un prix beaucoup plus avantageux. Et c'est vrai, ça, je vous l'ai même pas dit, en fait. On va à Marrakech. Enfin, là, on est atterri à Marrakech. Et ensuite, on prend un... On a un minibus qui nous ramène à Essaouira. Voilà, voilà. Ma mère, elle est trop gentille. C'est elle qui nous a invités pour le voyage. Qui nous donne nos dépenses. Une mère comme elle ou rien. Oui, moi, j'en ai. On a la chance, les filles. Hein. Elle a dit elle aurait aimé que ce soit sa mère. Ben oui, hein. Elle, je lui fais pas ça. Hein. Allez, c'est bon, on a changé l'argent. Maintenant, on va retrouver les dépenses. Maman, elle nous a donné les dépenses. Franchement, elle nous a mis bien. Ouais, elle m'a donné 200 euros. Parce que j'ai deux enfants, donc trop gentil. Bref, du coup, on va retrouver le minibus. Let's go. On est allé acheter la puce. Là, j'ai mis 20 euros. Et voilà, go retrouver notre chauffeur. Ça y est, on a retrouvé notre chauffeur direct. Direct, direct. Donc la direction, le minibus. Et on va d'abord faire des petites courses. Et ensuite, direction la villa. Et je suis trop contente, ça fait trop bizarre. C'est la première fois que je vais à Marrakech. Genre là, il fait bon. Il fait pas chaud. Genre, j'ai pas besoin de mon mini ventilo et tout. Je suis trop, trop bien. Walou, walou. Et grosse pensée à toi, mon bébé Kaïs. Je te jure, je fais que de penser à toi. Je t'aime. Et voilà notre minibus. Wow. Vous êtes prêts ou pas? Ouais. Pour les 2 heures de route. Ouais. Et le McDo avant. Et le McDo. Franchement, le bus canon, il est immense, trop trop bien. En tout cas, ils ont géré. Pour l'instant, la villa tout au top, le chauffeur à l'heure et tout. Oui chérie. Merci. Allez, let's go. Bien spacieux. Hein. Et moi, il y a quelqu'un qui a mon voiture. Ça y est, on est dans le minibus. Franchement, il est canon. Il y a la clim, monsieur? Non. Super, il y a la clim, il y a tout. Il nous a super bien accueillis. Donc voilà, la direction. Ouais, direction le McDo d'abord pour commencer. Allez, filles McDo. Fini les trucs au poisson. Je te jure. Et après, on s'en va direction le Carrefour pour faire vite fait quelques courses. Voilà. Pourquoi on va? Du coup, petit arrêt au McDonald's. Ouais, franchement, il fait trop bon. Ah là là, c'est tellement rare que je me sens bien comme ça. Genre là, je suis vraiment à l'aise. Franchement, il fait tellement bon. Le soleil, bon. Ça me met de bonne humeur. Il y a ça du frais, ouais. Il fait chaud. Il y a... C'est trop bon. Bah, il donne là ma maman. Ah, maman. Il n'y a personne au McDo, ça fait trop bizarre. C'est bon, on a fait notre commande. Du coup là, direction, ben, on attend le chauffeur, il nous récupère. Et après, on va au Carrefour. C'est parti. On n'entend plus personne parler là. Ça y est, du coup là, on s'est installé dans le minibus, on va manger. Et en même temps, on va au Carrefour là. Du coup là, nous sommes au... Marjane. Donc là on a fini de manger. Bref, là du coup on est au Marjane, on va prendre de l'eau. Et ah, du jambon et tout aussi, hein. C'est là qu'on doit prendre ça. Hein. Allez go. Bah, de toute façon j'avais fait une petite liste. Bah si, il faut prendre un petit caddie. Ok, allez go, c'est parti. Et franchement les filles, on est agréablement surprises. Enfin, c'est pas méchant, mais nous, en fait, on pensait trop qu'il y avait plein de trucs qu'il n'y avait pas. Et quand j'ai demandé à une copine qui travaillait, enfin qui travaille, qui vit ici, genre elle m'a dit, mais ça, si, il y a tout. On voulait prendre du pain genre, nous. Le pain nous, on allait l'emmener emporter. Je me suis dit, mais j'ai peur qu'il se ramollisse et tout, nanana. Bref, et en plus de ça, super bien rangé, grave propre. Incroyable, franchement trop, trop bien. Après, ils vont dire que c'est les étrangers qui salissent. Regardez chez nous comment c'est bien rangé. Oui, on est en Guinée. Voilà, en Guinée. C'est pas d'ailleurs. C'est quoi comment? En Guinée, c'est même mieux. Ouais. C'est mieux. Attends, on a diminué en deux. On a dit on va en vacances, mais on n'est pas.
C'est pas nos limites, hein. C'est pour qu'on enlève. C'est hein? On enlève tout. Non, j'ai pas calculé. J'ai peur. C'est pas on va à la caisse et tout. Et il nous dit 100 euros et quelques. Genre, nous on s'est dit pour des babioles. On a pris que de l'eau, des petites conneries. Des mélanges. En fait, on s'est rendu compte que le. On a pris un spray. En fait, c'est les marques françaises. Truc 50 là pour UV là. Comment on appelle ça? Crème solaire. Crème solaire. MDR, 20 euros la crème solaire alors que c'est Nivea, j'ai dit jamais de la vie. On a enlevé aussi le sirop des enfants. Il est 35 euros. Il est à 7 euros. 35 euros. Et on a enlevé un démêlant pour les cheveux qui était à 8 euros, un démêlant éclaté. Parce que vu qu'on a pris que des bagages à main, je pouvais pas emmener mes produits cheveux. Mais MDR. Ah, merci. Et donc, elle aime trop l'oubli. Hein. Ma bouteille d'eau là. Et on trois produits 35 euros. On a enlevé 35 euros là, non. Franchement, on est. Peut-être que vous allez nous prendre pour des crevards, mais en fait. Déjà. Hein? Déjà qu'on a payé cher nos vacances là. Voilà, mais c'est complètement quoi, on a rien pour. Oui, voilà, c'était pas des trucs. C'était pas des trucs super super importants. Donc voilà, on a fait nos crevards. Voilà. Allez, ça y est, c'est fini là les galères là. Go dormir. Ouais, faut mettre les ceintures, il a dit le chauffeur. Voilà. J'ai dit, il m'a dit non. Allez. Tu vois, j'ai dû mettre la ceinture, ils m'ont dit non. Allez, c'est parti. Bon, la team, petit arrêt Aïcha. Obligatoire. En fait, nous, on pensait que c'était 2 heures. On pensait que c'était 2 heures, 2 heures et demie. Mais en fait, c'est 3 heures. Quand il nous a dit 3 heures, on sait. Je sais pas. Mais il doit rouler à la vitesse dont il doit rouler, quoi. Ouais. On peut pas rouler à 130. On est lourd, On doit être lourd aussi, tout. T'imagines 100, 200, 300. Non, je rigole. 100, c'est 300 avec tes paroles. Et du coup, petit arrêt obligatoire, mais c'est dans un lieu trop beau. Genre, en gros, c'est là où ils cultivent l'huile d'argan, donc Zitergen en arabe. Zitergen. Et il y a une visite gratuite et tout. Il y a un petit magasin. Donc voilà, on va visiter un petit peu. On a dormi comme jamais. On a des têtes. Regardez ça, s'il vous plaît. Mais real life, comme je dis d'habitude. Genre, là, c'est trop beau. Et en plus, il y a ce petit coup d'air de vent frais, là. On se rapproche de la mer. Ouais. Ça fait du bien. Bonjour, salam alaikum. Ça va, alhamdoulilah. Et maman, elle est où? Toilette avec Bella. Hi. Muslim, French. Hello. Je rigole. How you make Argan oil? Do you speak French? Elle a dit si on comprend ce. Désolé, ok. Non, si vous parlez que anglais, c'est pas grave. Vous parlez anglais? C'est pas grave, moi je comprends l'anglais. Elle a des lunettes. Les pulls pour les animaux, spécialement les chais, et ça pour l'étape suivante. L'étape suivante, c'est pour passer. Ah, franchement, ça. Et ça, c'est la dernière étape sur le malaxage. En français, c'est pas ça. On malaxe avec les mains pendant 1 heure. Dans un une heure? Oui. Ça, c'est. La pâte, elle donne comme ça. Oui, elle devient comme ça. Excellent. En fait, on a droit à une petite visite de comment l'argan a été travaillé de différentes manières. Miel, huile, que ce soit pour la peau, pour les cheveux, pour le corps. Franchement, c'est incroyable. Il y a plein de produits. Là-bas, il y a les produits alimentaires. Et là, il y a tout ce qui est pour la peau. Franchement, c'est incroyable. Ça donne trop envie. Mais nous, en plus, on n'a que des bagages à main. Donc ça veut dire qu'on peut pas prendre des gros trucs, donc je vais voir ce qu'on peut prendre, mais franchement, machin là, c'est trop bien. C'est bon, les enfants et tous les temps. C'est bon, ça sent. Du coup, les filles, moi j'ai craqué pour le miel, franchement, il est excellent. Ensuite, j'ai pris une huile d'argan cosmétique au jasmin. Donc ça, c'est seulement pour le visage.
il me semble. Et ça, c'est pour corps et visage. Voilà. Et voilà pour mes petits produits. Franchement, elles m'ont trop touchée. Merci beaucoup. Ça va avec vous. Au plaisir, Inch'Allah. Merci. Bah, t'as vu comment le travail est passé fait ? Allez, plus vite. Ça, c'est ma fille, ça. Et franchement, elles sont courageuses. Hein. Vous êtes courageuses. Hein. Moi, je suis là. Jusqu'à ça sort même pas. S'il y a quelques gouttes, t'inquiète. Ah ouais? Oui. Oui. Juste un petit peu. Et Allah. Oh, j'ai déjà chaud. Merci à vous. Merci à vous, vraiment. Non, mais je les respecte trop, vraiment. T'imagines ? Ça sera toute la journée, du coup. Franchement, les filles, l'arrêt là. Fatou, ça s'appelle comment ? Il a duré notre arrêt là. Ah, il avait dit. Dans ma tête, c'était une arrêt. De toute façon, je pense que c'est une arrêt quand vous faites Marrakech et Fawira. C'est une pause obligatoire. Mais c'est trop beau, t'as montré. C'est incroyable. Ouais, attends, je vais montrer. C'est vraiment beau et c'est touchant. Vous voyez, enfin, elles sont vraiment âgées. C'est artisanal, elles travaillent. Du coup, franchement, de base, on voulait pas acheter, mais on a dit non, mais il faut qu'on achète. Et j'en ai eu pour combien ? 83 euros quand même. Mais j'ai pris du miel. Ouais, franchement. On n'a pas commencé. Ouais, franchement, j'avoue. S'il vous plaît. Il est magnifique, franchement, c'est trop trop beau, c'est artisanal. Beau, elles m'ont trop touchée. Bref, du coup, là c'est parti, on en a pour un peu moins d'une heure de route. Let's go! On n'est pas fatigué! C'est la famille Diallo! C'est la famille Diallo! C'est la famille Palette! C'est la famille Palette! C'est la famille Palette! C'est la famille Palette! C'est la famille Diallo Palette! C'est la famille Diallo Palette! Bon, ben, bien arrivé dans la villa, comme vous avez pu le voir. On s'est un petit peu disputé la chambre parentale et au final, on s'est dit, hey, on s'en fout. Toutes les chambres, elles sont canon. Franchement, la villa, elle est incroyable. De toute façon, ben, du coup, vous avez vu, je vous ai fait le tour. Incroyable, vraiment trop, trop belle. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Du coup, là, je vais déballer les courses qu'on a fait. Putain, c'est le genre de maison, waouh, incroyable. Donc, on va déballer nos affaires et tout. Et puis après, on va se mettre en maillot de bain pour profiter de la piscine. Oh là là, franchement, là, il fait chaud par contre. Même dans la villa, à l'intérieur, il fait chaud. Je pense qu'il faut que je demande la clim, comment on met. Donc là, on a acheté le jambon pour faire les sandwichs le midi. Parce que nous, on s'est dit qu'on va les manger le petit-déj et ensuite le soir, le repas du soir. Mais sinon, à midi, ça sert à rien. Donc voilà. Allez, vas-y. Je suis prêt. Vas-y.
Parce que bah, j'arrive pas à gonfler la bouée. Nike, doucement. Un petit salto. Bon, ça y est, on est arrivé à la villa. Elle est incroyable. Franchement, elle est oufissime. Qu'est-ce qu'il y a? Du coup, on est arrivé à la villa. Les enfants, eux, directement dans la piscine. Moi, je me sens dégueulasse. Hein. Franchement, debout depuis... Pas douché depuis, bah, du coup, hier, 3h du matin. Là, il est 16h. Donc là, je vais aller me prendre une bonne douche. Et ensuite, on va profiter de la piscine et tout. Bien sûr, je ne pourrai pas vous montrer parce qu'on sera tout en bikini. Mais voilà, je vous montrerai les moments qu'on peut vous montrer, quand on va visiter, etc. En tout cas, déjà, vous avez vu la villa, elle se trouve à Essaouira. Elle est incroyable. Franchement, que ce soit les pièces de vie, les chambres et tout, c'est incroyable. On nous a trop bien accueillis et tout, donc voilà. Go profiter pour la suite. À tout à l'heure. Ça se voit, je suis trop contente, moi. Genre, ça fait du bien. C'est juste mon petit bébé Kaïs. À chaque fois, je pense à lui. Franchement, ça me fait trop mal au cœur. Genre, depuis qu'ils sont grands, j'ai jamais voyagé avec... Enfin, des vacances comme ça, quoi. Genre, ça me fait mal au cœur, mais bon, on n'a pas le choix, malheureusement. Je t'aime, bébé. Je vais faire que dire ça dans toute la vidéo, mais je veux qu'il sente, et c'est la vérité, en plus, que je pense fort, fort à lui. Mais je sais que son papa, il prendra soin de lui. Donc, voilà. Allez, à toutes. Là, pour commencer, déjà, on va déballer toutes les affaires. Let's go. Ça y est la team, j'ai enfin fini de ranger toute la chambre. Donc du coup, là dans l'armoire, j'ai rangé ben, du coup les petites tenues. Hein. Donc ça c'est que pour la piscine. Après là, quelques petites tenues. Là en bas, vous avez tous mes petits bikinis. Oh là là, Naïl, arrête de crier. Naïl. Là ensuite, du coup, c'est les maillots de bain des enfants. En bas, il y a leurs vêtements. Et puis voilà, hein. Rien de bien ouf ici. Mais franchement, la chambre, elle est trop cute. Toute simple, mais franchement, j'aime beaucoup. Genre vraiment, et du coup, juste là, eh ben, on a accès à la piscine. Et ah oui, là, il y a une terrasse aussi, vous voyez. Genre, chaque chambre a sa petite terrasse. Genre, je me dis, quand tu viens en couple et tout, en famille, c'est trop bien. Bref, là, du coup, je vais enfin me doucher. Oh là là, j'ai trop chaud, là, je transpire et tout, je dégoûte. Je vais me doucher, comme ça, après, je vais dans la piscine. Reste normal. Bon, du coup, les filles, là, moi, je me suis douchée. J'ai fait le bain à Naïl et Maïssa Bella. Mais Naïl, qu'est-ce que t'as, bébé? Dis à la caméra, qu'est-ce que t'as? Je vois pas très bien. T'as mal aux yeux parce que t'as fait que mettre ta tête sous l'eau. Je t'ai déjà dit quoi, bébé? Mais maman, on a pas de lunettes maintenant. Et ben, est-ce qu'on vous a dit d'ouvrir les yeux sous l'eau? Est-ce que maman, elle ouvre les yeux sous l'eau? Non. Et ben voilà. Pourquoi vous ouvrez les yeux sous l'eau? Tu fermes les yeux? Pourquoi tu veux ouvrir les yeux sous l'eau? Y a rien. On n'est pas à la mer. Y a pas des poissons. Donc, tu fermes les yeux sous l'eau. Ok? Allez. N'importe quoi, sérieusement. Bon, les filles, là, on va manger. Mais je vais d'abord faire ma prière, vu que c'est passé. Go. Carotte. Non. Tu es carotte, hein. Courgette, non? Mais Fat, non. Si tu vas faire, c'est de la patate douce. Ah, pardon, parce que... Non, mais plein la viande. Pousse-toi. C'est pour couper le poulet vite. Tu vois comment tu fais? Prends-toi la viande, moi, je prends. Un entier, tu manges. Toi, je te mets quoi? Après, non, mais moi, on a mis une grande assiette. Ça, c'est pour les petits. Non, mais ça, c'est les petits. Tu rajoutes de la semoule. Ah, il y a des grandes assiettes. Mais oui. Wow. Bah, tu l'as fait, moi je mange jamais un poulet comme ça. Non. Ok, Naïd. Ah. Trop beau. Je me filme pas parce que je suis pas du tout habillée, j'ai la flemme de m'habiller. Donc voilà, je vous filme Bilbis. Ça t'a été ça aussi, quoi. Et les grands chacun. Du coup, on a prié. Là, on va manger. C'est quoi? 22h20. Il est 21h20. Un petit micmac, hein, histoire de bien manger. Ce soir, c'est couscous. Hein. Franchement, il a l'air pas mal. Hein. De toute façon, ils sont trop forts en ça, couscous. Genre, moi, chez les Arabes, ce que j'aime, c'est couscous et tagine. Parce que t'as pas goûté les autres plats, non? Ah, j'aime trop, moi, tagine au poulet, là. Bah, c'est meilleur, c'est tagine. Ah non, moi je suis pas viande. Moi la viande c'est que en barbecue ou des trucs comme ça, tu vois. Pruneau. Parce que là.
Alors, Mimi, c'était bon ici, demain, on mange là-bas. Ouais. C'était bon. C'est bon. Moi, j'ai aimé le poulet et tout. Ma mère, regardez, elle a tout fini. Elle a grave kiffé. Jusqu'à elle a fait comme ça. Imran, là, t'as kiffé? J'ai peur d'augmenter, mais ah, ça va. Ça va? Non, j'ai plus faim. La team, trop bien mangé. Franchement, tchao, Fatima, là, elle cuisine trop bien. Du coup, là, on va se poser, se mettre à l'aise. Je vais enlever mon foulard. Attends, je suis pas venue ici pour mettre mon foulard, même si je veux vous filmer un maximum de choses. Là, on va rien faire de spécial, on va jouer, se poser entre nous. Donc, voilà, voilà. Mais Isabelle, elle s'est endormie, bébé? Elle s'est endormie il y a longtemps? Si. Elle est KO. Naïl avec ses cousins et voilà quoi. Marlif, si vous savez pas, elle a un petit peu de sang marocain. Darlé, yahlé. Nana avec nos notaries. Soudain, soudain. Bah oui, c'est ce que j'ai dit. Mais maman, elle va inviter tous les gens qu'elle aime. Elle a fait comme bah, du coup, c'est sûr, elle a inviter tous les gens qu'elle aime. Elle est trop heureuse. Elle est trop heureuse. En mode, soudain, c'est Lily. Je suis morte. Batterie des lampes torches. Miroir. Éliminer. J'ai gagné. Tu as dit miroir. On a déjà dit miroir. Ça fait trois fois. Maman, bon, c'est bon, t'es. Non, 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 arrête. Moi, elle est mariée, je suis désolée. Quoi? Pas que des animaux. Ah, de faire des animaux là. Faire un objet ou une personne. Il a pris. Mais il fait plus la piscine. Oh, le force, le pauvre. Dis quelque chose. Je te fais au moins 10 tout vite. Ouais. Mais arrête de toucher ton chouchou là. Spider-Man. Spider-Man. Allez, dépêche-toi vite. Kangourou. Un gorille. Hulk. Non. Oui. Hulk. Aïe, c'est quoi ça? Horatio. Ah, Ben 10. Non. Ninja. Oui. C'est pas Ninja Go, c'est Ben 10. Ben. Le pauvre, c'est il est fatigué. Est-ce qu'il est fatigué? Fatigué, quelqu'un qui est fatigué. Quelqu'un qui est à nager dans l'eau. Non, il va plus. Ninjago. Un dinosaure. Power Ranger Samurai. Un dinosaure. Dragon Ball Z, Naruto. La colère. Ah ouais. Non, faut pas dire, on doit deviner. Colère, les mouchons, vous savez pas ou quoi? Ah pardon, on est nuls. Bon la team, ça y est, là je vais aller me coucher. Je suis dès que j'ai oublié ma thé d'oreiller. Heureusement j'ai mon turban que je mets d'habitude en dessous de mon foulard. Du coup je vais dormir avec ça. Et on a trop passé une bonne soirée. On a trop rigolé. Genre là il est presque 1h du matin. On va aller se coucher parce que du coup ben, on se lève pour la prière à 5h du matin. Enfin on peut prier jusqu'à 6h. Donc moi je crois que je me lève à 6h. Comme ça après je pourrais bosser. Mais on a trop rigolé et franchement c'était trop bien, oh là là, genre c'était trop bien, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas passé des soirées et des moments comme ça. Donc voilà, là du coup je vais me coucher, Naïl c'est le seul qui dort pas, il est posé, donc je vais m'endormir avec lui et je vous dis du coup à demain. En tout cas c'était une superbe journée, il manquait que Caïs, hein, comme je le dis depuis toute la journée. Il m'a trop manqué mon petit cœur, mais on reviendra dans cette villa, en tout cas c'est sûr, elle est vraiment trop bien et on a super bien mangé. Voilà, je vous dis à demain. Bye. Naïm. Naïm, viens voir maman. Naïm. Je t'ai mis de côté. Palais. Zignan. Naïm. Naïm. Le plus beau. Le plus beau. J'ai pas voulu te réveiller, bébé. J'aurais pu me réveiller. Mais je voulais pas parce que tu dormais. Mais je t'ai préparé. On t'a plus laissé. Viens t'asseoir à côté de maman, je te mets. D'accord. Wow. Canon. Là, t'as sorti avec ta soeur. À la plage. Mais je crois qu'elle m'avait dit c'est lui qui fait un peu boîte de nuit. Ou je suis folle. Boîte de nuit. On va danser. Ah non, merci. Mais pourquoi elle nous aurait raison? Elle a vu d'un mieux. Et Naïl, vas-y, montre à papa, chérie. Regardez mon bébé.
Du coup, là, j'ai douché Naïl. Non, c'est moi, il m'est douché. Oui, Naïl, je l'ai laissé se doucher. Et je lui ai fait un masque dans les cheveux. Après, avant de partir, c'est moi, je vais le doucher. Mais là, voilà, il voulait manger, il avait trop faim. C'est bon ? Tu y en as, si tu veux, du pain de mie avec du jambon et tout. Imran a aussi, il a fait son petit sandwich, il s'est douché. Et là, ma Isabella, elle est sous la douche et je lui ai déjà préparé son petit goûter. Enfin, goûter. En gros, c'est le repas du midi, quoi. Merci. De rien. Je t'ai mis un yaourt au sucre aussi, pour après. Merci. C'est assez pour maman et moi. Elle a trop kiffé le couscous. Franchement, c'est vrai, il est trop, trop bon. Et après, on va se préparer pour sortir. Les autres, ils sont dans la piscine, là. Et voilà. Yes ! 3, 1, 2, 3. 1. La main, elle est venue à Paris. La boue. 1, 2, 3. Nous, on a bien mangé avec Mamounette. Et là, on go se préparer. C'est parti. Et voilà la team, ça y est, je suis ready. J'ai mis une petite robe. Alors, attendez, je vais vous la montrer en entier. Je vais me poser là-bas. Et du coup, j'ai même pas ramené des sacs de ouf. J'ai juste ramené ce petit sac, je l'aime trop. Et voilà. Regardez ma maman, elle. Regarde là, elle est trop belle. Ah, allez bien, chérie. J'ai une rouge avec des points blancs, c'est trop beau. Merci, mon amour. Waouh, trop belle. Trop belle. J'aime trop. Waouh, c'est trop beau. Merci. Oui. Attends, je vais montrer au vlog. Wow, magnifique. Oh my god. Elle est cute, hein. Elle est magnifique, la robe. Merci. Vous êtes toutes belles. Pas tout, look at me. Machala, trop cutie. Les deux tiktokeuses. Calme. Vous passez trop bien la caméra. Allez, tout le monde est prêt? Ouais, à part qu'on m'a volé mon ventilateur. Hé les enfants! Naïl! Regarde-moi! Mais attends, regarde-moi! Regardez Naïl, petite chemise et tout. Hein? Mais oui, bah, ça c'est dans la place. Vas-y! Ya, ya! Ça me rappelle Zantiba. C'est parti, direction du coup le souk. Let's go. Ah, vous. La vieille qui descend un peu. Bien arrivé. Ah, ça sent là. Wouh. Wouh. Hey. Waouh. Oh, c'est mon père. Beau gosse. Ah, c'est bien la mer, il y a du vent. Qu'est-ce qu'il y a, mais Isabella, t'as... Ça y est, bien arrivé au souk.
Donc franchement ça va, de la villa c'était à quoi, 20 minutes 15 Ouais, 15 minutes. Allez, entre 15 et 20 minutes, ouais. Donc on va voir ce que ça donne, hein, parce qu'on a l'habitude de celui de Marrakech, mais là ça sera celui de Essaouira. Déjà on nous a dit qu'il était plus petit. Ouais, il est plus petit, mais à ce qui paraît il est pas mal. Et il y a beaucoup de vent, mais on est juste à côté de la mer. Ça fait du bien, ça franchement va. C'est agréable, genre moi quand il c'est fait chaud, bien. Mais comme ça me va, il n'y a pas de problème, vraiment canon. Moi je te jure, le soleil avec le vent, il n'y a pas de... Ah ouais, grave, ça fait trop du bien. C'est parti. Mais j'avoue que c'est calme. Ouais, ça fait trop bizarre. Ça change de Marrakech, hein. À mort. Des ailes de papillon, purée, machin. Trop belle. Grave. Mais pourquoi il y a d'autres couleurs? C'est quoi, maman? C'est un miroir. Ah, c'est pour les cheveux? Un miroir. Tu veux me l'offrir, mon cœur? J'ai pas d'argent. Merci, maman. 35. C'est pour faire les cheveux. Non, Naïla, arrête. Ah, il est en train de... C'est des aiguilles. Ouais, ça fait mal, ça, non? En tout cas, ça trace bien. Il y en a plein pour moi. Marly, ça y est, elle a décidé de faire plaisir à tout le monde. Elle m'a même fait plaisir à moi. Oh, merci. Ouais. Regardez ce qu'elle a pris à mes sables là. Allez, danse Naïl. Allez, Naïl. Tata, mais vous mangez ça avec quoi? Une galette. Ah. Un truc, Mais vous donnez un ouf, vous avez un direct, tu fais. Ah ouais. Il y a aussi oui d'argent. J'aime trop, regardez, ils font les msemen directement ici. Ensuite vous choisissez, vous pouvez mettre miel. Comment ça s'appelle le truc là? Fatou elle a mis un mou. Regarde, il te dit. Voilà. Et c'est tout chaud et tout. Tes mains par les dames, mashallah. Grave. Pas tout, ça. Mashallah, elle parle arabe. Elle a 3 ans quand même. Hein. J'avoue. Et moi, je suis avec mon choukran. Choukran. Purée, les kilos en plus. C'est tellement bon. Ouais. Merci maman, merci Fatou. Mais Isabella, viens. Les filles en Chine? En Chine, non. C'est bon. Vous avez ça, vous? Voilà, Gamine. Des maisons pour sa vie. Alors, papa, on pense fort à toi. Caïs. Caïs. On Caïs, Simon. On vous aime. Bah, tous. On vous aime tous. Moi. Bon, ça y est, du coup, là, le marché, on a fait un petit peu le tour. Franchement, c'était sympa. Genre j'aime bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde, ils sont pas trop derrière les gens, genre ils vous laissent faire votre vie. Donc c'est franchement c'était cool, on a trop kiffé, là du coup on va se promener un petit peu sur la plage. On va se promener sur la plage avant d'aller manger au resto. Parce qu'en plus là les msemen ça nous a un peu bourré du coup. Il y a un passage poteau. On est en Afrique maintenant. Naïl, commence Naïl. Non, lève-toi. On a dit on se promène hein. Mais il va avoir les mains toutes sales et tout. On a dit qu'on se promenait, on n'a pas dit pourquoi tu creuses. On a 24 minutes, c'est pas... Du coup pour Marly c'est sa première fois à la mer. Alors? Franchement c'est beau, c'est apaisant, c'est frais. Le sable pas très agréable. Oui mais parce que là en fait c'est marée basse. Ouais. Du coup normalement l'eau elle est jusqu'à là-bas mais voilà écoute c'est la vie Marly, j'ai envie de te dire. C'est beau. Et toi Bilgis? Ah ouais. Oui, parce que... Oh elle est froide l'eau. Oh mais c'est mort, on pourra pas se baigner demain. Naïl, il a tout faim.
mangas. S'il te plaît, maman. Raïssa, viens. Et t'es trop belle. Attends. Viens tout de suite, là. Maman, toi, c'est pas ta première fois à la mer. Ma mère, elle a l'habitude. Hein. Ça se voit. Hein. Elle y va tous les week-ends. Mais ça, tu cours pas, tu vas te mouiller. On y va. Mec. C'est combien en maïs? 5 dirhams. 5 dirhams. Oui. T'en veux? Tu veux aussi? Non, les filles, là, j'ai fait trop d'écart. Il sourire. Ah, mais arrête de dire ça, Bella. Dites mamie. Un sourire mamie de prisonnière. La prisonnière. Dites mamie. Mamie la prisonnière. Mamie la policière. Ah bah maintenant je vous lâche parce que. Mais Isabella, tu écoutes mamie. Mais Isabella, tu donnes la main à mamie tout de suite. Tout de suite, mais Isabella, j'ai dit. Mais Isabella. C'est la même. On est au océan vagabond, donc c'est vraiment face à la mer. Franchement, super beau spot en tout cas. Trop beau, j'aime trop. J'aurais kiffé encore cette table là, où ils sont, tu vois. C'est un truc qu'on t'a prêté alors tu ne salis pas le plaid. Non mais ici ils ont un problème. Hein. C'est trop fort. Ah c'est horrible. Trop fort. Leur thé il est trop fort. Voilà, ça y est, fin de soirée. Donc là, le chauffeur il est arrivé. On a tous payé. Franchement, ça va, hein, pas trop cher. Hein. Moi, je m'en suis sortie pour 330 dirhams. Sachant que ben, y avait Maïssa, Bella et Naïm. Donc franchement, ça va. Ça fait à peu près allez, 30 euros. Et franchement, le lieu et tout, vraiment pas mal. Et, en tout cas, tout ce qu'on a pris, c'était super bon. Même le dessert, le tiramisu, grave bon. Les salades, pizza, la viande, tout était vraiment bon. Donc voilà, je recommande, c'est Océane Vagabond. De toute façon, je vous mettrai tous les noms en barre d'infos. Voilà, voilà, là, il y a un petit feu de camp. Et voilà, ça y est, on y va. Let's go! Mais grave! De retour!
Oh my god. Mais non, allume pas tout, il y a les moustiques qui vont venir. De retour. Oh, je suis explosée. Chalou. Lui, là, il est trop excité. Oh là là, je me suis endormie un peu dans la voiture, là. J'étais KO, KO. Et toi, Naïl? Même pas. C'était bien. J'avais toujours une énergie. Ouais, il a toujours l'énergie. Bref, là, je vais mettre les bébés en pyjama. Moi, j'hésite à aller dans l'eau avec les sisters, là. Je suis explosée, mais j'ai envie de profiter. Pas d'aller, en fait. Moi, je... Non, toi, tu vas pas. Non, non, non. Tu vas aller à la piscine. Vraiment, c'était trop bien. Non, eux, ils vont en pyjama. Allez, on va aller en pyjama. J'ai peur qu'ils attrapent froid. C'est vrai. Vous êtes des bébés. Non, elle est chaude. Elle est pas chaude, elle est chaude. Vous êtes des bébés, hein. Vous avez que 6 ans et 8 ans. Mais de quelle heure, là? Les abonnés disaient 10 si vous pouvez. C'est vrai qu'on est en vacances. Tout le monde va y aller, même Abdoulaziz et Imran, maman. Ah ouais, ils vont aller. On reste pas longtemps, je te promets. Ils ont dit qu'ils vont y aller, on reste pas longtemps. Par contre, faut pas mentir parce que tu sais très bien que tu vas vouloir rester longtemps. Oui, je sais, mais on... S'il te plaît, tu nous dis stop quand on part. Ok, vas-y. Merci, c'est la meilleure. Mes boucles dorées. Ah, désolé. Ah. Un massage. Ouais, tous à la piscine. Tous à la piscine. Tous à la... Non, non, Naïf, on va être le maillot de bain. Bon, ben, j'ai pas le choix. Allez, go se mettre en maillot de bain. Et puis, ça va être piscine by night. Bref, go mettre en maillot de bain et ça va être piscine by night. Je mets le même qu'aujourd'hui, là. Non, il doit être mouillé. Attends, je vais te sortir un maillot de bain. Bref, la team, moi je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Bye, la team, vous êtes trop gentils. Maman, regarde. Hey la team, j'espère que vous allez bien. Du coup, comme vous le voyez, je me suis déjà douchée. En fait, j'étais grave à la bourre. Là, du coup, on va bruncher tous ensemble. Tout le monde est prêt. Donc, c'est parti pour cette nouvelle journée. Let's go. Elles, ça se voit, c'est des petites jeunes. Hein. Elles sont déjà apprêtées. Petite robe. Marley, pareil. J'aime beaucoup ta tenue. Merci. J'ai entendu pas toi la tenue. Cassabella en white. Bella petite chemise Catalea, on connaît. Et le bas c'est Catalea. Hein? C'est Catalea. Qui? Catalea? Ah, c'est Catalea. Ah, maman, j'aime trop ton petit ensemble. Ah, ouais, c'est vrai. Enlève la veste du fait. Mais tu vas pas avoir chaud avec ta veste là? Si. Non, hier, elle a eu. Ouais. Waouh, c'est trop beau, c'est du Sénégal. Oui, ouais, un petit collier, ça aurait fait canon. J'ai cousu, n'aime pas le collier. Franchement, c'est magnifique. Bon, du coup, c'est parti. Le brunch, il est sur la plage, normalement. On va avoir un peu de retard, donc faut que je les prévienne. Et comme d'hab, on a 20-30 minutes de retard. Donc voilà, c'est parti. C'est parti. Kulchi Kulchi Kataka Kulchi Kataka. Tu veux une pizza? Margarita alors? Je prends le pêcheur. Vas-y, maman. Et le continental. T'es content de la pêche? Je prends le pêcheur et le souffle. Bon, la team, là, ça y est, on est arrivé au brunch. Franchement, il y a grave du choix. Donc là, on attend d'être servi pour voir ce que ça va donner. Mais franchement, ça a l'air trop beau. Juste en face de la plage et tout. Genre, c'est trop agréable. Trop hâte d'aller se poser tranquillement. On a pris des serviettes et tout. Les filles, elles vont faire. Il y a du cheval, il y a des chameaux. Il y a plein de petites activités à faire. Franchement, trop sympa. Hein. J'imaginais vraiment pas ça comme ça. Genre, je pensais que c'était une petite ville où il n'y avait pas grand chose à faire. Mais franchement, trop agréable, genre vraiment.
regarder s'il vous plaît notre table. C'est trop bon. Bah assieds-toi chérie. Regardez, c'est tout moelleux, c'est trop bon. Le gars il est repris des frites. Moi je suis très heureuse. Ouais, il y a trop de choix là les filles. Agneau, poire. Agneau, poire. Ouais. On va se régaler. En fait c'est là c'est le riz en bismillah. Putain ça là. Le hamelou. Ouais c'est bon. J'ai tout changé. Ouais, je te jure, on dirait une autre personne à notre part. Je crois que je préfère celle-là. Je préfère celle-là. Moi j'aime trop le blanc avec la plage. Mais l'autre, c'est pas son style. Attends, ah ouais. J'ai pas, surtout pas de chocolat. Si j'aime les deux. Qui veut que je sois en préférence? Bon, du coup, la team, franchement, le resto au top. Genre, vraiment, c'était trop bon. Là, du coup, les filles, il y en a qui vont faire du cheval, d'autres du quad. Moi, je vais me poser un petit peu. Je vais changer les enfants parce que de base, je les avais bien habillés pour le resto. Et là, du coup, je vais les mettre en mode cool. Voilà, voilà. Ça va mon bébé? Tu veux se mettre Fatima? Non. Et yes, Safia. Safia. Et Abilqis. C'est une heure. Ouais, ils sont difficiles. Tu vas aller chercher tes enfants, elle a pas. Tu n'as pas payé. Non, c'est qu'elle a pas payé. T'as pas payé quoi? Ah. Tu veux bronzer? Donc la team est avec ma maman. On a tellement galéré. On a marché un petit peu pendant allez quoi 10 minutes. On les a suivis là dans le sable. Il y avait grave du vent et tout. Franchement, j'arrivais même pas à filmer. C'était horrible. Du coup là, ils vont faire du cheval là pendant une heure. Nous, on s'est posé. Avec Mariama, ma mère. Mais c'est bien, il y en a une. Oh, ça fait trop du bien. C'est trop agréable. Le mood là, je kiffe. Et franchement, trop trop bon ce resto. Ça s'appelle comment déjà? Panoramique. Panoramique. De toute façon, c'est. En fait, il y a plein de restos autour de la plage. Mais celui-là, hier c'était bon. Hein, mais. Maman, tu préfères aujourd'hui ou hier? Aujourd'hui, hein. Hier, j'aime trop l'accueil. Et je me dis, le tagine, il doit être trop bon. Le tagine, il doit être trop bon. Oh là là. Attends, j'ai vu. Il doit être trop bon. Ouais. Donc voilà. Oui, celle-là. Naïl, vu, hein. Naïl, jamais. Waouh. Wow. Ça va mieux, elle est trop belle. Ouais, mais Naïl, prends tes chaussures. Vas-y, prends les chaussures à ton bout. Bon, du coup, là, on retourne à la villa. Franchement, c'était trop bien. C'était trop bien. Franchement, le resto. Le resto au top, hein. Inch'Allah. Vraiment trop bien mangé et tout. C'était trop cool. Là du coup on vient juste de rentrer donc go poser les affaires. Oh là là, j'avais oublié mon téléphone d'ailleurs, faut que je regarde, j'espère que personne ne me l'a pris. Et on va se mettre en maillot de bain tranquillou. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. Tu forces pas, en fait, t'appelles me voir quand tu forces pas. Ok.
était une fois une maison géante. On était là, on était heureux. Merci Dieu, merci l'argent. L'argent grâce à qui? Que vous voulez chanter, bienvenue dans sa vie. La 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 la. Cinq chants magnifiques, dont une suite parentale où il y avait des animaux, plein d'insectes, plein d'animaux, des crapauds, des escargots, pour pas tout, et même des marins. Mais elles aimaient ça, avec ma mère, elles les mangeaient toute la nuit, elles rentraient dans leur bouche, elles mangeaient. Papou et maman, la maison des animaux, la chambre des animaux, c'était honteuse, vous êtes honteuse. Bon, du coup, les filles, ça y est, c'est ready. Donc là, c'est la petite salade qu'ils nous ont fait, une petite salade marocaine. Vous êtes prêts, hein? Vas-y. Là, c'est wow. Revisité by Bella, au poulet. Et là, c'est pareil, hein. C'est le même. Et juste là, c'est du pain. Voilà, Bella nous a fait revenir des amandes. Franchement, car... Et voilà, du coup, le petit tagine. Du coup, il y a des pommes de terre dedans. Bella, elle a rajouté les pruneaux. Tu peux avoir des amandes? Hello, la team. Je viens de me réveiller. Enfin, je viens de me réveiller. Je me suis douchée et tout, quand même. Du coup, je pensais trop être à la bourre, mais non. Petit déjeuner. Ça y est, c'est prêt. Demsemen, yaourt, des œufs, des crêpes. Une petite salade de fruits. Canon la table. J'aime trop le mood. Trop trop beau. Ouais, je t'ai vu, Maïssa Bella. Coucou. C'est bien, ma chérie. Canon. Bon, je vais appeler les autres, on va manger là. Allez, go. Ça y est, on a fini le petit déj. Là, les enfants, ils vont dans la piscine. Ma princesse des bonbons. Oui. Et toi, ça va, maman? Tu vas aller un peu dans l'eau? La team, je viens de finir mon massage hammam. C'était incroyable. En fait, dans la villa, on a une pièce, comme je vous ai montré, où du coup, on peut faire un hammam, on peut se faire également masser. Le hammam, c'est combien? 210 dirhams. Oui. Donc à peu près 20 euros avec gommage. Et ensuite le massage, c'est 350 dirhams pour une heure. Nous, on a divisé en deux, 30 minutes, parce que du coup, elles sont arrivées un peu en retard, mais c'était trop bien. La Marie, elle attend de se faire masser, elle a déjà fait le hammam. Et voilà, sinon il y a grave du vent. On sait pas pourquoi, genre... Peut-être la mer, là, depuis, la hauteur, je sais pas, mais il fait... Là, depuis hier, il y a grave du vent, donc il fait un peu frais. Mais voilà. Et du coup, on attend pour manger. En fait, là, elles nous ont tout préparé. Je vais vous montrer pour le barbecue. Elles nous ont tout préparé. Donc nous, on aura juste à appeler le gardien. Il va nous mettre tout dans le... Ah ouais, il va tout nous mettre dans le... barbecue. De toute façon, je vous montrerai ça. Et après, pour finir, ça sera jacuzzi. Thank you.
Jacuzzi, il est là-bas. Ah, vous n'avez pas peur? Non, pas encore. C'est après jacuzzi. Jacuzzi, maintenant. Après miam miam. Yeah. Mmh, ça sent trop bon. Miam miam. Ahmed, tu manges avec nous? Si, tu as mangé. Hein. Vous mangez avec nous. Oh, miam miam. Ah, mangez la maison, moi. Non, vous mangez avec nous, Ahmed. Hein? Vous habitez où? Vous, c'est là, à la réception? Oui. C'est vous là-bas que vous vivez? Non, à la maison, moi. Ah, votre maison, elle est où? De la réception, le client. Hein? C'est moi, à la maison. Oh. Mais c'est à côté? Oui. Ah. Oui, mais tu peux manger, Ahmed. Tu prends un peu. Ah, il a dit au château. Il y a un château ici. Oui, mais il n'est pas là, je crois, le château. Il est là-bas. On a vécu notre dernier coucher de soleil. C'est fini. La nouvelle lune. C'est la nouvelle année musulmane. Sérieux? Ma chaîne. Mais où? Elle est là-bas, la lune. Maman, il n'y a pas de lune. Ah si. Mais... Oh, nouvelle année musulmane. Oui, c'est le mois de Muharram. Ah, oh, c'est beau. C'est là qu'il y aura la chouba. Ce soir c'est barbecue, ouais, barbecue un peu crevard, mais barbecue. Hein. Franchement, ça c'est 17 euros l'assiette. Franchement, c'est j'avoue, c'est tu m'as mis trop. Que c'est... On prend le gros morceau. Ça, c'est, il y a ça, pas c'est... beaucoup quoi. Mais bon, et une parole. Pas le choix. Enfin, allez. C'est le tagine d'hier, merci, maman. Ouais. Ah mon chéri, non, ça c'est un tagine de légumes. Du légume. Franchement, ça c'est pas 17 euros. Regarde vos assiettes, comment c'est même. Je vous explique, et les assiettes c'est genre 17 euros par personne. C'est où? Et là, d'habitude, franchement, on était bien servi, mais là aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup quoi. Mais bon, alhamdoulilah, comme dirait Fatou. Bon appétit. Merci. Oh, il y a la salade. Tu veux, mamie? Tu veux quoi, ma puce? Oui, attends deux secondes. Petit jacuzzi du soir, c'est bon les enfants, allez-y. Vous approchez pas de nous, hein, vous mettez dans un coin. Oh, vous approchez pas de nous. On est obligé de se taper les gosses. C'est chaud, Abdelaziz. C'est chaud. Oui, c'est trop chaud. C'est trop chaud. Regardez là, celle-là, elle a mis ses lunettes. Avec les lunettes, ça fait trop du bien. Ah, ça fait trop du bien. Ça y est, j'ai fait. C'était bien le jacuzzi, Maïl. Trop bien. Mais il était un peu froid. Non, il était carrément chaud. Moi j'ai trouvé. Ouais, qu'il était... parce que toi, t'étais fou. Mais du coup, hein, on a fini le jacuzzi, on a fait le bain. Il était pas si froid que ça. Ouais, moi j'ai trouvé qu'il était froid. Vous avez pas mis mes chaussons à moi? Moi, vous avez pris une paire de chaussons. C'est pas grave. Non, mais en forme de cœur, retrouvé. Qui l'a retrouvé? Je vais le faire un bisou. Je sais pas. Mais ça fait là. Merci d'avoir retrouvé le chausson, je vais te faire un bisou. Allez, go. Mais ça fait là. C'est toi qui as retrouvé le chausson. Merci. C'est toi, Maïli. Je serai peut-être là. Oh. C'est le dernier soir avec tes tatas d'amour. Oui. Non, souris. Maïli, t'es sérieux là? Il est un peu excité. Maïli. Bon, les filles. Go faire la valise, là il y a tout ça à ranger. Let's go! Bon, ça y est, on a fini de faire la valise avec les tatas. Là on est KO. On dort? KO, en plus il est 2h du matin. Allez, à demain la team, bonne nuit. C'est vrai qu'il est 2h du matin? Oui, il est 2h passé. Allez, dodo. Hey la team, dernier jour du coup à Essaouira. Donc là on va prendre le petit déj, on a préparé tous les bagages, tout. Donc voilà, trop triste, c'est parti. Et mais Isabella qui m'a donné. Oui, ça va. Parce que à la base, je voulais pas. Ah, désolé. J'ai pas mangé. Tu voulais une semaine du coup? On n'a pas partagé. Il n'y en a pas. Hein? Il y en a plus. Comment ça, il y en a plus? Non, ils sont là, mais on a partagé. Ah, ok. Qu'est-ce que tu fais, Maïla, avec le sucre? Tu choisis ton sucre. Je peux avoir du thé. Mais je vais quand même reprendre les mots de dernier petit déjeuner. Bilgis, faut pas pleurer. On va dégoûter. Ça y est, on s'en va. Il y a le bus qui est là. Je suis trop dégoûtée. Ouais. Mais bon, c'est parti. Là, il est 10h30. Donc, go pour 3 heures de route. Let's go. Bye, la villa de rêve. Elle était trop belle. Trop canon. De toute façon, on reviendra, c'est sûr. On reviendra et ça ira, Inch'Allah.
chérie. Franchement, un petit mot. Franchement, rien à dire. Des moments. On pouvait rester là à l'infini. Ouais. C'est magnifique, magnifique. Les femmes sont apaisantes. Elles sont superbes, elles sourient tout le temps, elles parlent doucement, elles ne crient pas comme moi. Franchement, la maison, rien à dire. Les chambres, magnifiques, j'ai dormi comme les vacances, bébé. Ça te va bien, t'as 15 ans au moins là. Donc du coup là, voilà, je... Elle m'appelle mon bébé. Oh. Mon bébé Fatou. On va ma petite Maïsabellos. Elle est venue, ma princesse des îles du Caraïbe et du Pacifique. Ma Marly, l'organisatrice. Tout, machallah, machallah, rien à dire. Machallah. Et toi Fatou? Ma princesse des îles. C'était incroyable, ma puce. Incroyable. On a eu la suite parentale. Ouais, la suite parentale. Les désagréments. La suite animals. Les désagréments des trois sorcières. Les désagréments de la chiasse. Et toi, Bibi? Franchement, mes premières vacances, c'était génial. Ouais. Incroyable. Ah, c'est vrai, c'est ses premières vacances. Avant, moi, je vais prendre en photo ici. Mes premières vraies vacances. C'est vrai, les photos toutes ensemble. Oui, ouais. J'ai pas fait de photo. Franchement, la villa, impeccable. La piscine, elle va me manquer. Le jacuzzi, bon. Voilà. Ouais. Il est là. On a toutes kiffé. C'était vrament incredible. Reposant. On était apaisés. À bientôt, Essaouira, Inch'Allah. Bye. Bye. Essaouira. Attends, vidéo. Ton nom, vidéo, moi. Essaouira. Essaouira. Ahmed. Merci Ahmed. Ah, what are you doing now? Inch'Allah. Assalamu alaikum. Alaykoum salam. Je pense qu'on l'a marqué. Mais sans mon téléphone, tu l'as mis où ma... Bien arrivé à l'aéroport de Marrakech, hein. Comme on a prévu, on est dans les temps, on est vraiment 3 heures à l'avance, donc voilà, let's go. Purée, à Marrakech il fait beaucoup plus chaud, on voit la différence. Hein. Voilà. C'est plus vite, j'ai l'impression. Bah, moi je fais que dormir. J'ai même pas dormi. Let's go. La petite starlette. Ouais. Beyoncé. Je vais rentrer en France, je vais être un caca. Un caca. Ça y est la team, on s'est enregistré, donc on avait que des bagages à main. Franchement, je suis trop fière de moi. Vous vous rendez compte, j'ai pris que des bagages à main, genre j'ai même pas pris de bagages en soute, mais du coup ils les ont mis en soute. Et voilà, là du coup on est grave à l'avance, donc on va un petit peu se promener, tout ça. Mais voilà, du coup c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. C'était du coup des vacances à Essaouira avec toutes mes sœurs et ma maman, ainsi que mes enfants, sauf Caïs. En tout cas, il nous a beaucoup, beaucoup manqué. Mais dans tous les cas, on reviendra rien que pour lui. On retournera à Essaouira. Et franchement, c'était génial. Que ce soit l'accueil, la ville, genre, on a vraiment tout aimé. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Les restaurants qu'on a fait, la plage, de toute façon, il n'y en a qu'une. Après, c'est pas très grand. Mais le peu qu'il y a à faire, franchement, c'est super sympa. La villa aussi, elle était vraiment incroyable. C'était une grande villa, trop, trop bien. T'as bien aimé tes vacances, bébé ? Oui. Donc voilà, franchement, c'était trop, trop bien. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à activer la cloche pour ne louper aucune vidéo. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye, bye.